Monsieur, voilà. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, écoutez, c'est très simple. Je vous incite à le faire également. Je m'en vais au refuge de Oisemont, là où j'ai adopté Lady, car il y a un arbre de Noël, même si on est entre Noël et Nouvel An, hein, même toute l'année, on peut le faire. Donc, je vais leur faire un don, un petit don, un truc simple pour les loulous, pour les chats, pour les chiens. Donc, quand des fois vous avez des vieilles plaides chez vous, des vieilles couvertures qui ne vous servent pas, n'hésitez pas à aller au refuge de Oisemont. Leur ramener ces découvertures, surtout actuellement, ils en ont un grand besoin. Donc je vois qu'actuellement, il y a des gens qui l'ont ramené de la paille, d'autres qui l'ont ramené des couvertures qui étaient blanches, des sortes de couettes, tout ça. Ça va, ils sont bien lotis. Donc n'hésitez pas à leur faire un don, tout don pour eux est bon à recevoir. Donc c'est un centre de refuge pour animaux qui marche avec le partage de ce que les gens leur amènent, le partage, comment je dis ça, qui marche par les dons. Voilà, ils fonctionnent comme ça. Donc n'hésitez pas à faire un passage. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais faire pour eux. Voilà, allez, c'est parti. Là, je me trouve sur le parking d'Intermarché de Fréjus-Carbotage. Je vais faire un petit tour à Action. Et j'aimerais passer un petit coup de gueule concernant certains rageux des fois qui mettent des commentaires sur ma chaîne. Heureusement, vous n'êtes pas nombreux quand des fois je lance des appels aux dons. J'ai déjà fait deux fois, trois fois, il me semble, pour le refuge de Oisemont, où vous mettez des commentaires qui sont pourris. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Déjà, prenez un petit billet bleu de votre portefeuille et allez faire comme moi ce que je fais, vous voyez, acheter des pâtés pour chats, des pâtés pour chiens, des croquettes, voire des plaids, pense que j'ai chez moi, vous voyez, pour leur donner. Vous voyez, je gagne pas des millions, je suis au SMIC, je gagne pas des milliers et des cents. Mais vous voyez, bon, moi, je fais le geste. Alors vous, les rageux dans vos genres, très franchement, fermez votre grande bouche. Et déjà, faites ce que je fais, puis après, vous pourrez causer. Vous voyez, ça coûte pas plus cher que deux paquets de clopes. Allez, c'est parti, on y va. Voilà ce que vous trouvez par exemple à Action. Là, j'en prends un comme ça, ça va pas chercher loin, regardez. 2,39€. Il y a au poulet. Après, vous avez les pâtés. Là, il y a vraiment du choix. Hein. Là, vous avez pour les chats. Regardez. Parce qu'on peut leur offrir aussi des pâtés, parce qu'à force, les animaux, c'est beaucoup de croquettes, c'est vrai, mais les pâtés, c'est bien aussi. Je vous garantis que les loulous sont super contents quand ils reçoivent ça dans leur gamelle, franchement. Là pour le premier panier, donc là je me suis arrêté à Action et rempli, après c'est Aldi. Je passe en caisse. Bon allez, on s'en va direction Aldi. C'est parti. Me voilà arrivé à Aldi. Donc là je fais pareil, je vais voir ce que je peux acheter dans la limite. De ce que je peux dépenser, est-ce que je peux pas dépenser plus que ce que je gagne, évidemment. Donc ce que je fais est un geste altruiste. Altruiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on sait faire des choses, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle des personnes désintéressées. C'est-à-dire qu'on sait faire des choses et rendre service sans attendre quelque chose en retour. Je le fais, c'est de bon cœur. Donc j'ai ma limite dans ce qui est altruiste. Parce que si j'étais à 100% altruiste, j'aurais plus de maison, j'aurais plus rien, je serais à la rue, je serais ruiné. Je donne un petit peu de ce que je possède, voilà, financièrement, pour que d'autres puissent en profiter. Mais des personnes qui en ont vraiment besoin, comme des animaux par exemple. Voilà pour l'exemple. Allez, on s'en va à Aldi, c'est parti. De toute façon, moi je vais prendre un panier, sinon je vais t'emmerder. Regardez, c'est pas mal. Regardez, comme ça, vous les touchez à 99 centimes pour les loulous. Allez, hop, je vais en prendre 4 comme ça. Ouais, je me ruine même pas. On va regarder ce qu'on peut trouver d'autre. Bon, bah là, je crois qu'on est pas mal. Hein. Un gros Roméo comme ça, pour chat. Regardez, vous les touchez à 2,29 et ceux-là, vous les avez à 3,39 et c'est des paquets de combien de kilos? Bon, c'est du garder 4 kilos. Ouais, ils vont être contents. Hein. Excellent. Voilà. Donc là, passage en caisse obligé. Voilà, les achats à 10 sont faits. Donc là, je serais tenté d'aller faire un tour dans mon quartier parce que je suis curieux pour savoir si je fais le tour des maisons, savoir si des gens ont des découvertures ou des vieilles plaides pour les donner au refuge de Oisemont. Donc je vais tenter ça pour vous, pour voir un peu la générosité des gens. Est-ce qu'ils ont quelque chose, vieilles couvertures ou autre? Allez, c'est parti. Donc là, je suis dans une famille très sympathique qui m'a ouvert sa porte. Ils vont regarder ce qu'ils ont pour les toutous de Oisemont. Vous voyez?
Il suffit simplement de frapper une porte et des fois, ben, on vous accueille. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle être altruiste. Regardez, ils sont là. Les gars, c'est super gentil. Je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Là, je filme Pépette. Bonjour, Pépette. Alors là, je suis chez Marlène. Donc, c'est une de mes voisines et je lui ai demandé si elle avait quelque chose pour le refuge de Oisemont. Plaid, couverture, torchon, chiffon, what? Elle m'a dit oui, j'ai ça. Donc, je vous filmerai pas Marlène par respect pour elle, ce qui est normal. Et là, c'est la Pépette. Donc, il faut savoir que Marlène, elle a récupéré un chat qui avait sa patte qui était sectionnée, complètement coupée. La dame, elle n'est pas millionnaire. Elle a été au cabinet vétérinaire de la ville de E, si je dis pas de bêtises. Et c'est elle qui a payé les frais de veto pour soigner le chat, qu'elle a encore d'ailleurs. Il est dans son garage, je lui ai posé la question. Donc là, Marlène, elle m'a ramené ça. Elle dit, j'étais en train de parler à ma caméra, elle est en train de tourner. Oui. Concernant le chat, tu sais que je t'ai ramené qui avait sa patte qui était sectionnée. Oui. C'est toi qui as déboursé de ta poche, hein. Ah bah oui. Pour le soigner, ça t'a coûté combien? 350. 350 euros. Est-ce que je vous disais, la dame n'a pas beaucoup d'argent, puis elle a aidé le Mimi, tu l'as toujours? Ah bah j'ai toujours, bah il est séparé parce que je vais les mettre tous ensemble. Quand mes enfants ils vont m'aider, j'ai peur qu'il il y avait des bagarres, donc j'ai trouvé un petit peu de le séparer. D'accord. Bon bah je le sors, ils se partagent la maison chacun à leur tour. D'accord. Voilà, parce que autrement il y a grosse bagarre, mais c'était surtout avec Pompon, mais comme Pompon il est décédé il y a pas longtemps. Mon Pompon il a eu un cancer. Pompon il est d'accord. Ah, bah, il a eu un cancer, j'étais obligé de l'emmener chez le vétérinaire. Je savais pas. Bon, ça a duré longtemps, j'ai fait opérer aussi, lui. Et puis, elle m'a dit non, faut plus aller plus loin, il était pas bien. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant que Pompon, parce qu'il cherchait beaucoup la bagarre, donc je vais mélanger tout le monde et puis comme ça on va être tranquille. D'accord. Hein, ils vont se. Ouais, c'est comme ma petite Lady qui passe ensemble avec les autres toutous. Au lieu de partager la maison, voilà. Après, ils vont être ensemble, mais je veux que mes enfants, j'attends qu'ils viennent pour m'aider parce que s'il y a bagarre, je vais pas pouvoir peut-être m'en sortir. D'accord. Voilà, mais il est heureux, tu sais. T'imagines 350 euros, t'as sorti de ta poche? Bah évidemment oui, j'allais pas laisser comme ça. Faut avoir le cœur sur la main, c'est clair. Vous voyez, cette dame-là s'appelle Marlène. Vous la verrez pas en vidéo, parce qu'il y a le respect, ce qui est normal. Ah, bah, voilà. Voilà, voilà. Attends, j'ai pas fini. Je vais te donner les boîtes que j'ai là. Ouais, c'est ce qu'on appelle avoir le cœur sur la main. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui existent, qui méritent. J'espère que le bon Dieu vous rappellerait de ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui ont vraiment du mérite et qui ont la main sur le cœur. Franchement, je suis content d'avoir une super voisine comme elle. Bisous Marlène, j'espère que tu verras la vidéo, que tu la regarderas. Donc là, elle vient de donner des coussins pour les chats, des gamelles, vous voyez, des gamelles pour les chats, pour les chiens, la pépette. Marlène, elle est partie voir si elle n'a pas une litière dans son débarras à l'extérieur. Bah en effet, une litière. Bah écoute, je vais laver le bord. Merci Marlène, c'est gentil. Là, je suis chez ma petite voisine. Et Manu, bah, c'est des gens sont adorables. Salut Manu. Et là, ils avaient un chat, bah, que t'as perdu, que t'as pu. En fait, j'ai perdu, mais je l'ai pas retrouvé. Pourtant, il était pucé. D'accord. Je l'ai pas retrouvé. Mais tu sais, j'ai une amie, elle a retrouvé son chat 14 ans après. 14 ans après. 14 ans après. Hein? T'es sûr que tu veux toujours pas que je te filme? C'est trop moche. Je veux pas, c'est pas grave, Agnès. Il y a un film que Manu. Bah, merci Manu, c'est gentil. Période Covid. Période Covid, ouais, on fait gaffe. Tiens, ça me dit 0 pour le refuge. Bah regardez, c'est gentil, il y a pour le refuge à 10 euros. Donc voilà, la générosité des gens. Donc là, je m'en vais avec Natacha en refuge pour animaux. On va leur donner tout ça, ils vont être surpris. Ah non, parce que là, franchement, j'ai un crossland et puis le coffre, il est rempli. Voilà, clairement. Bah écoutez, merci pour eux. Bon, c'est gentil. Merci à toi, Olivier. Merci. Allez, bisous. Bisous. Et ma sauterelle, on va où? On va voir le refuge, on va dire bonjour à tes copains. Tu ne pourras peut-être pas rentrer parce que c'est Covid, ma chérie. Allez, on y va. Allez, avec maman. Gna gna. Allez, viens. Allez. Allez, on y va. Allez. Allez, viens. Ça tourne. Waouh, ça tourne. Allez, on est parti, refuge de Oisemont. On a emmené Lady. Elle est avec nous. Allez, ma chérie, on va se promener. Donc, faut être prudent. Donc là, c'est ma petite femme chérie qui tient le... Il tient la caméra. Et puis bon, bah, je pensais pas récolter de l'argent, mais vous voyez, il y a Agnès, Manu, ils ont le cœur sur la main, ils ont donné un billet de 10 euros. C'est pas grand chose, mais imaginons qu'il y ait seulement, allez, 100 personnes qui donnent un billet de 5, un billet de 10, même ne serait-ce que 1 ou 2 euros. Imaginez les sous que ça fait, c'est énorme. Et tout ça, c'est pour le refuge. Allez, on est parti. Vous entendez Winnie derrière, c'est Lady, à chaque fois qu'elle est dans sa petite cage, elle pleure, je sais pas pourquoi. Cabinet vétérinaire de Oisemont. Et le refuge, il se trouve un tout petit peu plus loin, après le magasin Intermarché. Sur la droite, il est très bien indiqué. Donc quand vous arrivez là, vous tournez sur la droite. Ensuite, vous prenez sur la gauche. Donc, tourne la caméra vers moi, Natacha, s'il te plaît. La dernière fois, je suis venu avec Lady au refuge pour animaux.
Lydia, elle était traumatisée. À quel point ça traumatise un chien quand vous l'abandonnez? Donc quand vous adoptez un chien, réfléchissez bien deux fois. Ou quand vous achetez un chien également, réfléchissez bien à deux fois. Parce que le chien subit un traumatisme qui est énorme. Faut pas oublier que les animaux sont dotés de sentiments comme nous. Tout ce qui leur manque, c'est la parole. Donc là, on s'en va au refuge de Oisemont pour faire le don. Mon don, puis des dents, le don des gens que qu'ils ont eu la gentillesse de donner. Voilà le refuge. On va pas t'abandonner, ma pupuce. Ton bête, il t'aime trop pour ça. Regarde, on va au refuge pour faire un don pour donner. Le voilà, le refuge. Donc, on a un coffre qui est bien rempli. Donc, il y a des plaides. Ah, il y a même des sous, j'ai donné des sous. Donc me voilà arrivé au refuge de Oisemont. Donc on va venir faire le don, on va sonner. Je sais qu'il y a une sonnette normalement. Ah non, il n'y est pas aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cécilia. La dame là, je sais que je peux la filmer, elle me dira pas non. Donc vous la connaissez, Cécilia, bonjour. Bonjour. Tu vas bien, on va se dire tu depuis le temps? Oui, bien sûr. Je suis venu te ramener des croquettes, je t'ai ramené pas mal de choses. D'accord. Il y a un petit billet de 10 euros, je vais te le donner. Ok, ça marche. C'est une dame qui elle m'a dit que tu donneras un refuge. Donc voilà. C'est super gentil. Ça, c'est pour le refuge. Merci. J'ai besoin de bras. Bien, on arrive tout de suite. Merci. Lady, mais on va pas t'abandonner, ma chérie. Ouais, c'est ce que je vous disais. Regardez, elle a peur qu'on vienne la ramener. Je déconne pas, j'insiste là-dessus. Faites attention quand vous dites, vous achetez des chiens, vous abandonnez des chiens. Faites bien gaffe parce qu'ils subissent un traumatisme et elle s'en souvient. Ah ma fifi, on va pas t'abandonner ma chérie. Papa va pas t'abandonner, n'abandonne pas sa fille. Bah non. Regarde, elle a peur, regardez comment elle a peur. Ah ma fifi, t'es rapproche-toi de la grille pour voir. Regardez, elle est toute tremblante. Papa il t'aime ma fifi, va pas t'abandonner ma chérie. Bah, la brouette. Ça c'est chouette. Vous m'autorisez à vous filmer? Oui. Ah pas de problème, voilà, donc je vais me braquer la caméra. Donc là des bénévoles du refuge. Donc Lady, elle est traumatisée, regardez, elle croit qu'on va l'abandonner, elle tremble. Voilà ma bébé. Bonjour ma chérie. Ah, se souviens, hein. Non, mon aîné. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que t'es belle. T'es douce, mais t'es douce. Elle a peur de revenir au refuge, vous avez vu ça? Ouais, carrément. S'il y a un message à passer concernant ça, Cécilia, vous devez... Cécilia, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous diriez quoi aux gens qui viennent adopter des chiens? On le voit avec Lady, regardez, elle a peur de revenir. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de travail. Après, ils ont peur, c'est pas qu'ils ont été malheureux, c'est juste que là, ils ont le confort du canapé, quoi. C'est le confort du canapé, le confort du niche. Oui. Allez-y. Il y a le monsieur qui me demande, excusez-moi, voilà, il y a tout ça. Je demande, parce que je sais pas. Il y a ça aussi. Il y a ça. Ça, c'est moi qui vous ai acheté tout ça. D'accord. Tout ce qu'il y a là, tout ce qui est... Les pâtés, tout ça. Ok. Il y a une dame qui s'appelle Marlène, des gens qui sont du quartier de la ZAC à Fréville-Escarbotin, et j'oublie pas Marlène, et puis Manu et puis Agnès. Le billet de 10, c'est Agnès qui vous l'a donné. D'accord. Et ça, c'est Agnès, ça, celui-là. Voilà. D'accord. Puis ça, pareil. Ok, bah c'est super gentil. Voilà. Un grand puis bon, merci. C'est l'arbre de Noël pour les loulous. Exactement. Voilà. Exactement. C'est génial. Il en faut pour tout, puis les chats vont être contents, ils ont de la pâtée de saumon, ils vont être heureux, là. C'est génial. Vous voyez, Lady, comment là? Vous savez le traumatisme qu'un chien il peut avoir? C'est incroyable, hein? Enfin, voilà. Cécilia, si tu as un message à passer aux gens pour ce qui est des dons, dis-nous. Là, on a énormément besoin de tout ce qui est croquette à chat, bois de chat, litière à chat. Là, t'en as, donc ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais parce qu'en fait, les chats, ça arrive en masse. C'est la prolifération de chats, les gens ne stérilisent pas. Et du coup, nous, on en pâtit maintenant à l'heure actuelle. C'est catastrophique. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de dons pour les chiens, j'observe, me trompe oui, peut-être, non, mais on oublie vrai, les chats. Vrai. Là, voilà. Je ne les ai pas oubliés, les chats. Les chats, après, c'est vrai que bon, les chatons, il n'y en a plus trop parce qu'on est en période d'hiver, donc il n'y en a plus beaucoup. Mais par contre, les chats, c'est catastrophique. Les chats qui n'arrivent pas stérilisés, pas identifiés, qui ne sont pas réclamés, encore un hier qui est arrivé non identifié, etc. On en a encore 4 cages où il y a 6 chats dedans. C'est compliqué, les chats c'est devenu un gros problème parce que ben, les gens ne stérilisent pas et du coup ils ne stérilisent pas, ben, ça se reproduit et à un moment ou à un autre ben, voilà, les gens ils s'en occupent plus et puis ben, c'est des grosses portées. C'est des grosses portées. Mmh. Donc, on prend une chatte qui va faire 6 chatons la première portée, la deuxième voilà, la deuxième elle va en faire, mais ces chatons vont en refaire aussi. Là, c'est comme ça que ça prolifère. Voilà, et c'est comme ça que ça prolifère. Donc ça, c'est l'exemple sur une chatte. Et après, ça fait des malheureux. Quand on calcule le nombre de chats errants qu'il y a dans les communes, voilà.
Là, je conseille, c'est vraiment à toutes les mairies, s'ils peuvent participer à la campagne de stérilisation. C'est très important. Ça, en fait, ça permet de stériliser tout ce qui est chien sauvage, errant. Là, il y a un beau message qui est passé. Au moins, bah, il y a beaucoup de chatons au moins, il y a moins de prolifération. Moins de malheureux. Moins de malheureux. Voilà. Bah, Cécilia, merci. Bah, je suis content d'être passé. Donc plus de monsieur voilà, plus pour une future vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous savez qu'elle est basée sur le partage. Je fais pas ça pour le fric. Je suis un altruiste, je sais donner. Voilà. Bisous, prenez soin de vous. Merci Cécilia. Merci.